Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit haul action. En fait, j'y suis passée hier parce que j'avais deux petits cadeaux à faire. En fait, j'avais des amis qui venaient manger à la maison. Et ces amis en question-là ont eu un bébé il y a un mois. Donc, j'avais déjà effectué une carte cadeau dans un magasin de vêtements pour enfants. Et puis, comme là, ils sont venus nous voir et ils sont passés dans la région parce qu'ils n'habitent plus par chez nous. J'avais envie de faire un petit cadeau à la grande sœur et refaire un petit cadeau au petit bébé. Donc je suis passée chez Action pour prendre une petite bricole. Donc je ne peux pas vous les montrer parce que je les ai offerts donc hier soir. Donc pour la grande, j'ai pris deux petits livres cailloux. Des tout petits livres tout mignons, vraiment très très beaux. Donc il y a une petite collection de 6 ou 8 livres, donc je lui en ai pris 2. Et ces petits livres là valaient 1,99€, hein, donc elle était super contente. Du coup, comme mon ami était là, on a partagé, on a acheté un puzzle aussi de la marque Bambi, enfin Bambi, un petit puzzle Bambi à partir de 3 ans. Pour la petite, du coup, on a pris des petites bavettes, vous savez, des petits cols là pour quand l'enfant bave, et des petits langes. Voilà, chez Action, ils font des petits langes. Donc c'est vrai que c'est des petits prix, mais c'est des petits cadeaux qui font quand même plaisir. Donc voilà. Et puis du coup, je suis passée dans le rayon, j'ai trouvé des Reese's comme ceci pour ma fille. Elle adore ça et chez Normal, ils sont très 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 chers. Donc là, c'était le paquet pour 1,20€ me semble-t-il. Donc il y a 96 grammes et c'est des ronds ceux-là. Donc c'est pas ceux en forme de tartelette, mais c'est des ronds. Et du coup, ils sont très très bons. Il y en a 6 à l'intérieur. Donc voilà, un petit clin d'œil à Manon qui, je crois, adore également les Reese's. Donc Manon de la chaîne Manon Makeup. Voilà, donc si tu passes par là. Et elle avait vu ça aussi chez Normal la dernière fois, c'est des Hershey's Cookies in Cream. Donc en fait, c'est des genres de Oreo au chocolat blanc. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pareil, c'était 1€ et des bananes, je crois. Voilà, donc il y en a 6 à l'intérieur et ils sont beaucoup moins chers que chez Normal. Du coup, j'ai pris également ma petite éponge comme ceci de la marque Spargo. Donc cette éponge-là, en microfibre, vraiment très très bien. Moi, je fais mes portes de placards de cuisine en laqué, hein, laqué rouge avec de l'alcool ménager. Et franchement, c'est vraiment tip top. Donc ça, ça doit coûter 60 centimes à tout casser. J'ai voulu tester ces petits patchs sous les yeux de la marque, je ne sais pas, il n'y a pas de marque. Voilà, donc c'est des masques en hydrogel pour les yeux, donc il y a une paire à l'intérieur, donc j'ai pris ceci, donc c'était 89 centimes, j'ai vu sur plusieurs chaînes passer et du coup je voulais tester, voilà. Ensuite, voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez Action et mon ami y est retourné l'après-midi même avec ma fille parce qu'elle voulait faire un petit tour et du coup elle m'a ramené 2-3 petites choses que j'avais mis sur ma prochaine liste. Donc avec ma fille, elles ont pris ceci également, donc c'est déjà entamé. C'est des petits gâteaux comme ceci au chocolat et au chocolat blanc autour. Donc ça s'appelle les Filipinos. C'est excellent. Donc ça, ça a coûté 79 centimes le paquet. Donc très très bon. Elle m'a repris un tapis comme ça pour mettre sous mon égouttoir à vaisselle. J'en ai déjà un gris, mais c'est vrai que j'aime bien changer quand il y en a un qui est au lavage. Du coup, j'en voulais un d'avance. Voilà, donc ça, je crois que c'est 1,99€. Et comme mon allume-bougie est cassée, elle m'en a repris un autre comme ceci. Donc moi, ce qu'il y a quand c'est terminé, j'ai des recharges comme ceci de gaz et je remets du gaz à l'intérieur. Et ça fait vraiment super longtemps, donc c'est l'idéal ça pour allumer les petites bougies, voilà. Et elle m'a ramené également ceci, donc j'avais regardé aux actions de la ville et il n'y était pas du tout. Et du coup, elle l'a pris à un autre action, donc c'est le nettoyeur cleaning. Donc c'est une brosse en fait pour nettoyer le visage tout simplement avec la lotion. Voilà, donc c'est Facial Massening Brush.
plus cleaning lotion de la marque Kylie. Donc je ne connais pas du tout, mais c'est vrai que cette brosse nettoyante me faisait vraiment envie pour nettoyer le visage en profondeur. Donc je n'ai pas encore testé, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. C'est vegan, il y a 100 ml et du coup ça marche sur secteur me semble-t-il. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles prochainement, peut-être dans les produits terminés, ou alors je vous ferai peut-être un crash test en vidéo. Donc ça, ça coûtait 6,99 €. Et ma fille a voulu me faire un petit plaisir. Elle m'a acheté une petite boule de bain comme ceci avec son argent. Donc c'est une boule de bain à l'ananas. Elle fait 120 grammes. Voilà, donc comme elle sait que j'adore les boules de bain, du coup elle m'a pris une petite boule de bain pour me faire plaisir. Voilà, voilà, c'était tout pour ce petit haul action. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et me dire si toutefois vous avez testé cette nouvelle brosse nettoyante ainsi que les petites friandises. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !